Stéphane, car maintenant, dans 7 minutes, on abaissera le drapeau à damier. Et ça a remporté cette épreuve à la vitesse. Mais, comme on l'a répété tout au long de la journée, vous savez qu'il n'y a pas que la vitesse, puisque le classement esthétique qui a été établi par les majorettes sera ajouté à ce classement vitesse et nous aurons le classement combiné. Changement pour Morgane sur le toréador. Et c'est Benoît qui va certainement terminer cette épreuve. Et on essaiera de vous donner dans les plus brefs délais le classement du combiné.